Alors, Force ouvrière est partenaire créateur depuis 60 ans de chèque déjeuner devenu UpCop. C'était une idée simple, innovante, mais une innovation majeure. Georges Rinaud, quand il l'a réfléchi, a expliqué que pour que les travailleurs puissent manger décemment, il fallait qu'on leur en donne les moyens. Et les moyens, c'était chèque déjeuner devenu UpCop. En 60 ans, UpCop, c'est un sexagénaire très dans la perspective et dans la projection à l'international. Et vous avez aussi ouvert sur la partie action sociale, les chèques culture et tout ce qui va avec, avec nos représentants du personnel. Pour EFO, il n'y a pas de débat. La fierté d'être au conseil d'administration de UpCop, c'est une vraie réalité. Nous nous engageons pour la suite, pour faire progresser UpCop dans l'indépendance, l'égalité et la fraternité entre tous les travailleurs. Joyeux anniversaire !